تسليما كثيرا الى يوم الدين. ما بعد في منتصف هذا الشهر المبارك حيث ينتصف الهلال فيصير بدرا، يسرنا ان نستقبل بدرا من بذور العلم الذي وفد الينا من بلاد الحرمين الشريفين، ومعنا الشيخ بدر وهو اسم على مسمى ابن علي ابن طامي العتيبي، مدير مركز الدعوة بالطائف، وهو من تلاميذ العالم العلامة المشهور الذي طبقت شهرته الأفاق الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن باز رحمه الله، كبار مشاهير علماء هذا الزمان. فقد لازمه لمدة 10 سنوات كما تتلمذ وأخذ الأسانيد على علماء آخرين، فنطلب من الشيخ إن شاء الله أن يتحفنا ببعض هذه الأسانيد والإجازة فيها إن شاء الله. فمركز الوحدة يعني يستقبل يعني هذا البدر كما قلت من بذور العلم، وسيتطرق في هذا الدرس إلى شرح مقدمة العالم العلامة ابن أبي زيد القيرواني. وابن أبي زيد القيرواني كما تعلمون هو من كبار علماء المالكية في الغرب الإسلامي، حتى أنه كان يسمى بمالك الصغير، قد كان في مدينة القيروان بتونس، ويعني لا زال علمه وكتبه منتشرة وتدرس في مختلف الجامعات في شرق العالم الإسلامي وفي مغربه. فالشيخ إن شاء الله سيتحفنا بشرح هذه المقدمة العقدية التي تبدأ بها رسالة ابن أبي زيد القيرواني. Là, alaykoum. Donc, je traduis ce que je venais de dire en français. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous l'un des grands alims de Bilad al-Haramayn. Il s'agit vraiment donc d'un alim qui a passé sa vie à étudier avec les ulamas qui sont les plus qualifiés et les plus érudits. Et il s'appelle Badr. Comme le Badr, nous sommes actuellement donc à la moitié du mois de Ramadan, lorsque la lune devient sous forme de Badr, elle est pleine. Et notre cheikh est vraiment un Badr, il est plein de ilm, inshallah. Il s'appelle Badr ibn Ali ibn Tami al-Utaybi de l'Arabie Saoudite. Et il est le directeur du centre de la Da'wa à la ville de Taïf. Et c'est l'un des disciples de l'éminent cheikh le plus célèbre en Orient et en Occident. Il s'agit de Samahat Cheikh Abdullah ibn Abdelaziz ibn Baz, puisse Allah lui accorder de ses miséricordes. Il est resté avec lui une dizaine d'années et il a été aussi élève d'un certain nombre de ulama avec lesquels il a pris des isnads pour le hadith. Et inshallah, peut-être qu'on aura l'occasion de prendre la permission sur quelques hadiths de sa part, inshallah subhanahu wa ta'ala. Alors, le frère qui va traduire, c'est le frère Jaabouqi, ou bien le frère Abdullah, puisqu'il l'a déjà fait. Là, puisque tu l'as déjà fait, donc. La khali huwai, tarjim, inshallah. Fa al-shaykh, yani, sayaqra'u. يعني شكون اللي يقرا المتن؟ تقرا المتن الامام الشيخ العدراوي رشيد يقرا من المتن، والشيخ ان شاء الله يفسر ويشرح، والاخ الجعبوقي ان شاء الله سيترجم. دونك لو متن va être lu par le cheikh Rachid notre imam et le cheikh Badr va donner ses commentaires et ses explications et le notre frère Jaabouqi va faire
la traduction. Moi, je vais faire la traduction de la deuxième partie, Inch'Allah. Comme ça, on se partage les tâches. C'est vrai. Jazakallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et prière et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur tous ceux qui le suivent. Et je remercie pour débuter, je loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de faire cette rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala تفضل علينا بأن يسر لنا هذا اللقاء إخوة متحابين على مائدة عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait le cadeau et nous a permis de nous rencontrer sur la table du Coran et de la Sunna. وإن كان للأبدان غذاء فللأرواح غذاء. Et si les corps ont des repas, aussi les âmes ont besoin de repas. ونحن في هذا المجلس على غذاء الأرواح. Et nous dans cette assise nous sommes en train de nourrir nos âmes. بتلاوة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Avec la lecture des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint et nous a rendu obligatoire. Et le fait de rendre le droit du musulman sur le musulman. Comme قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sa parole, et les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils s'ordonnent le bien et s'interdisent le mal mutuellement. Ensuite, je remercie les responsables de cette mosquée et à leur tête la direction. Représentée par le président. Et par l'imam et par tous les membres. Pour lesquels je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la droiture et de les rendre utiles aux gens. Et dans cette نتعلم دين الله سبحانه وتعالى. Nous apprenons la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالإخوان رأوا بأننا نقرأ كتاب. Les frères ont voulu que nous lisions un livre. وهكذا ينبغي أن يكون العلم. Et c'est comme cela que doit être la science. فالعلم ميراث الأنبياء. La science c'est l'héritage des prophètes. ليس هو من بنات الأفكار. Ça ne vient pas de nos raisons. أو من اختراع البشر. Ou de la création des gens. وإنما هو العلم النافع هو ما يورث. Mais la science utile c'est l'héritage. Ce qui est hérité d'un savant. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Savant jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء ماتوا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit certes les prophètes sont morts. ولم يورثوا درهما ولا دينارا. Et ils n'ont délaissé ni dinar ni dirham. وإنما ورثوا هذا العلم. Mais ils nous ont laissé la science. فعندما نحاضر أو ندرس ينبغي أن نجتمع على كتب العلماء. Donc, lorsque nous faisons un cours ou une conférence, nous devons nous réunir sur les livres des savants. Et nous ne devons pas simplement nous diriger vers les paroles et les conférences en délaissant les livres des savants. Nos cœurs ne seront pas tranquillisés jusqu'à ce que nous revenions aux livres des savants. Et parmi ce livre, celui qui se trouve entre nos mains aujourd'hui, كتاب مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. L'épître qui est l'introduction de l'épître de Cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani.
والرسالة لابن أبي زيد القيرواني كتبها رسالة مختصرة. Cet épître, l'imam Ibn Zayd al-Qayrawani l'a écrit, c'est un petit épître. وهو من حجج علماء المالكية عليهم رحمة الله عز وجل. Et c'est parmi les grandes preuves des imams malikites. حتى كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ بأنه كان يلقب بمالك الصغير. Comme vous avez écouté de l'introduction de notre cheikh qui a dit qu'on le surnommait le petit imam malik. وهذه الرسالة. Et cet épître. كتبها نصيحة لابنه. Il l'a écrit comme conseil pour son fils. وصية للأولاد. C'est un conseil pour les enfants. فيها أصول العقيدة. Il y a dans cet épître il y a les fondements de la religion. وفيها ما يجب على الإنسان أن يعرفه من دين الله عز وجل. Est-ce qu'il est obligatoire pour toute personne à connaître la religion d'Allah? هؤلاء العلماء يخدمون الدين. Ces grands savants travaillent pour la religion. لا يريدون من الدنيا شيئا. Ils ne veulent rien de cette dunya, de ce bas monde. هذه كتاب هذه الرسالة لها أكثر من ألف سنة. Cet épître a plus de 1000 ans. تقرأ إلى اليوم. Et elle est lue jusqu'à aujourd'hui. لم تختفي. Et elle n'est pas cachée. وشرحها علماء المالكية. Et les savants malikites l'ont expliqué. وحفظوها الطلاب. Et les étudiants en sciences l'ont apprise par cœur. هذا يدل على أن النية كانت صالحة. Ça montre que l'intention était bonne de ce cheikh. فكذلك ينبغي أن نكون. Et c'est comme cela que nous devons être. أن يكون الله عز وجل هو مرادنا. الله سبحانه وتعالى doit être en priorité notre premier but. وأن تكون نيتنا خالصة لله سبحانه وتعالى. Et nos intentions doivent être pures pour Allah سبحانه وتعالى. فالإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. L'imam ibn Abi Zayd رحمه الله يفاس ميزريكورد. طلبوا منه أن يكتب رسالة للأولاد. On lui a demandé d'écrire un épître, un petit livre pour les enfants. يكون فيها أصول الاعتقاد. Qui contient les bases. De la croyance musulmane. وأوجب الأحكام الشرعية. Et parmi les actes les plus obligatoires de la religion. نحن سنأخذ المقدمة منها. Nous nous allons prendre juste l'introduction de cette rissale. وهو ما يتعلق بالعقيدة. Et c'est ce qui concerne la croyance musulmane. ولا يخفى على كريم علم الجميع. Et ceci n'est caché à personne. أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Que Jibril عليه السلام est venu vers le prophète صلى الله عليه وسلم. عن ماذا سأله؟ Qu'est-ce qu'il lui a posé comme قال يا محمد. Il lui a dit oh Mohammed. أخبرني عن. Informe-moi. الإسلام. Au sujet de l'islam. ثم قال أخبرني عن. الإيمان. Il a dit informe-moi au sujet de la foi. ثم قال أخبرني عن. الإحسان. Ensuite il a dit informe-moi au sujet de la bienfaisance. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير. De l'excellence. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم à la fin de ce hadith. De ce hadith noble, il a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. من فوائد هذا الحديث. Parmi les profits de ce hadith. أن الإنسان أول ما يتعلم هذه الأمور. Que la première chose que l'être humain, le musulman doit apprendre, c'est ces choses-là. وأول ما يعرف من دين الله ما يصحح به عقيدته. Et c'est la première chose qu'il doit apprendre dans la religion d'Allah pour parfaire sa croyance, sa bonne croyance. كونوا كجبريل. Soyez comme Jibril. اسألوا عن الإسلام. Demandez sur l'islam. Posez une question sur l'islam. أنت مسلم. Toi, tu es croyant, tu es musulman. ما هو الإسلام؟ Qu'est-ce que l'islam؟ ما هي أركان الإسلام؟ Quels sont les piliers de l'islam؟ أولها شهادة لا إله إلا الله. Le premier, c'est l'attestation de foi qu'il n'y a. ما معنى لا إله إلا الله؟ Quel est le sens de cette attestation لا إله إلا الله؟ ما معنى أن محمد رسول الله؟ Que signifie Mohammed est le messager de Dieu؟ ما هي الصلاة؟ Qu'est-ce que la prière؟ ما هي أركانها؟ Quels sont ses piliers؟ ما شروط صحة الصلاة؟ Quelles sont les conditions de la pour que la prière soit bonne. اسأل. Demande. كما سأل جبريل. Comme Jibril alayhi salam a posé la question. واهتم بالأهم. Et mets en priorité le plus important. لا تهتم بمسائل لا تفيدك. Ne regarde pas les choses qui ne vont pas être profitables. اليوم. Aujourd'hui, de nos jours. نحن نشتغل بأمور الدنيا. Nous nous occupons des choses de ce bas monde. ونعرف كل شيء عن الدنيا. Nous savons tout sur ce bas monde. نعرف أسماء الدول. Nous savons les noms des pays. نعرف أسماء الحكام. Nous savons les noms des gouverneurs. نعرف أسعار السلع. Nous savons le prix des marchandises. لكن الدين. Mais la religion. ما نتعلم. On n'apprend pas. هذا خطأ. Ça c'est une erreur. دين الله أولى. La religion d'Allah سبحانه وتعالى est prioritaire. وأهم ما يجب علينا أن نتعلمه من دين الله عز وجل. Et le plus important que nous devons apprendre de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يسأل عنه الناس في القبور. Ce sur quoi on va être interrogé dans nos tombes. من ربك. Qui est ton Seigneur? ما دينك. Quelle est ta religion? من نبيك. Qui est ton prophète? تسأل عن هذه في القبر.
Je vais être interrogé sur ces trois questions maintenant. Connais-les aujourd'hui, apprends-les aujourd'hui donc. Apprends ta religion. Apprends à connaître ton Seigneur. وهما سنعرف اليوم بعض أمور العقيدة في رسالة ابن زيد القرواني. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui après avoir lu cette rissale, inchallah. اعرف دينك الإسلام. Sache que ta religion c'est l'islam. هذه الرسالة. Cette épître. تسمى عقيدة ابن أبي زيد القيرواني. Elle s'appelle la croyance de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. والعقيدة من العقدة. Et la croyance. العقد. Ça vient du عقد, du nœud. Ça vient d'un nœud. فينبغي أن نكون على عقيدة. Nous devons avoir un nœud dans notre cœur. ولا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا وعنده عقيدة. Il n'y a pas un être humain sur cette terre sans qu'il n'ait une croyance. حتى الذين يعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر. Même ceux qui adorent les pierres, les arbres, le soleil, la lune. هذه عقيدة. Ils ont une croyance, c'est une croyance. حتى الملحد الذي ينكر وجود الله هذه عقيدة. Même l'athée qui renie l'existence d'Allah سبحانه وتعالى, ça c'est une croyance. ولكنها عقيدة باطلة. Mais c'est une mauvaise croyance, une fausse croyance. عقد قلبه على باطل. Il a fait un nœud sur son cœur sur quelque chose de faux. أما أنت يا مسلم. Mais toi, ô croyant. اعقد قلبك على الحق. Accroche, fais un nœud sur ton cœur sur la vérité. أي كأننا نقول لك الحق هذا هو اعقد قلبك عليه اربطه. C'est comme si on te dit la vérité, c'est ça. Fais un nœud sur cette vérité. فما سنأخذه في هذه الرسالة إن شاء الله هذه اللحظات. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui dans ces quelques instants de cette rissale, de cette épître. إذا سمعته. Si tu l'écoutes. وعقلته. Et que tu le comprennes. وفهمته. Tu le comprennes. اعقد قلبك عليه. Alors fais un nœud sur cette croyance. اعقد قلبك وبشدة. Fais un nœud et avec force. عقدة. Un gros nœud. لا تحلها. Et ne l'ouvre jamais. حتى تموت. Jusqu'à ce que tu meurs. هذا معنى الرباط. Ça c'est le sens de l'attachement. التبات على دين الله. Raffermissement sur la religion d'Allah سبحانه وتعالى. بأن نعقد قلوبنا على عقائد أهل السنة والجماعة. On attache nos cœurs sur la croyance des Ahlus Sunna wal Jamaa. ولا نقبل فيها أي تراجع. Et que l'on n'accepte aucun retour en arrière sur cette croyance. لأنها الحق. Parce que c'est la vérité. وما عداها الباطل. Et tout ce qui est en dehors de ceci, c'est le faux. لأن الحق واحد. Parce que la vérité est unique. وماذا بعد الحق إلا الضلال. Et Allah dit, il n'y a pas après la vérité que l'égarement. فالحق طريق واحد. La vérité c'est une seule route. والباطل طرق كثيرة. Et le faux, il y a beaucoup de sentiers qui mènent au faux, beaucoup de routes. أضرب لك مثال. Je vais vous donner un exemple. في الدنيا. Dans ce monde. لو كان عندك احتمال ما بين ألف احتمال. Si tu as une solution entre 1000 solutions. أمامك ألف باب. Devant toi, il y a 1000 portes. وكلها مغلقة. Et toutes ces portes sont fermées. وقيل لك اتجه. Et on te dit dirige-toi. فيهديك الله إلى باب واحد. Allah te dirigera vers une seule. تفتح هذا الباب إلا هو باب الحق. Tu ouvres cette porte et c'est la voie de la vérité. أليست هذه نعمة؟ N'est-ce pas ceci un bienfait? أن توفق لباب من بين ألف باب. Que tu sois guidé vers une porte parmi 1000 portes. فعندما تهدى للسنة وللإسلام. Lorsque tu es guidé vers la sunna et vers la soumission. من بين أديان كثيرة. Parmi des multitudes de religions. ومذاهب كثيرة. Et beaucoup de voies. أعظم نعمة. Ça c'est la plus grande. تمسك بها ولا تضيعها. Tiens-y toi fermement et ne la gâche pas. ولذلك من القواعد في القرآن الكريم. Et parmi les règles dans le Coran. وأنتم تقرؤون القرآن. Et vous lisez tous le Coran. أن الحق إذا ذكر أفرد. C'est que si lorsque la vérité est évoquée, والباطل, والباطل إذا ذكر عدد. Et le faux lorsqu'il est évoqué dans le Coran, il est évoqué avec autre plusieurs et plusieurs يقول fois. الله عز وجل. Allah سبحانه وتعالى dit. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. Allah سبحانه وتعالى est l'allié des croyants. من. Il les fait sortir. أكمل. الظلمات جمع مفرد. Des ténèbres. جمع. Ténèbres, est-ce que c'est un mot singulier ou pluriel? C'est un pluriel. Ila. النور جمع ولا مفرد؟ مفرد. Il est fait لم يقل أنوار. Il fait sortir des ténèbres, la lumière. Et les ténèbres, c'est pluriel. Et نور, la lumière, c'est un singulier. فالحق واحد. Il n'a pas dit Allah سبحانه وتعالى les lumières. الباطل. La vérité une. الباطل كثير. Et le faux, c'est une multitude. يقول الله عز وجل. Allah سبحانه وتعالى dit. وأن هذا صراطي مستقيما. Et ceci est mon chemin droit. واحد صراط. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Il n'y a qu'un chemin. Alors suivez-le et ne suivez pas les sentiers. هذا جمع. Ça c'est un pluriel. فالصراط المستقيم واحد. Donc la voie droite, il y en a qu'une. وما عداه فهي سبل الشيطان. Et tout ce qui est en dehors de cela sont les sentiers de Satan. يقول الله عز وجل. Allah سبحانه وتعالى dit. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها واحدة.
et ensuite nous t'avons guidé sur une seule religion, sur une seule voie. Voilà, voilà, t'attabes. Alors celui-là, il ne suit pas. Eh, ahwa, alladhina la ya'lam. Il ne suit pas les passions de ceux qui ne savent pas. Fa'idhan barakallahu fiikum. Donc Allah vous met la bénédiction. Hada al-kalam alladhi naqra'uhu laysa min al-qasas wa al-akhbar. Cette parole que nous allons lire, ce ne sont pas des histoires ou des informations. Hada al-kalam min 'uqad al-qulub. Ça, ce sont des paroles qui viennent des cœurs, des nœuds qu'on fait sur les cœurs. Idha 'arafna, si nous les apprenons, nous amanna wa saddaqna. Si nous connaissons, nous devons croire. Thumma 'aqadna al-qalb. Et faire un nœud là-dessus. Aqul hadhihi 'aqidati. Et dire ça, c'est ma croyance. Hada dini. Ça, c'est ma religion. Dina Imam min a'immat al-Maliki. C'est la religion d'un des plus grands imams parmi les malikis. Din Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Din as-sahaba wa at-tabi'in. C'est la religion des compagnons et des suiveurs. Alladhi 'alayhi al-haqq. Qui est sur la vérité. Nasta'in billah 'azza wa jalla wa naqra ar-risala wa nu'alliq 'alayha jami'an wa nastafid bima yassara Allah 'azza wa jalla. Nous allons lire cette épître avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons faire un commentaire avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. هذا الكاميرا انا اظن اتكلم بدونها لا لا طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب امور الديانات نعم يقول رحمه الله تعالى ابن ابي زيد القيرواني في رسالته باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الأمور والديانات المراد أن سأذكر لك ما يجب أن تنطق به باللسان وتعتقده بالجنان donc l'imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani comme de façon dit commence cette épître par le chapitre de ce que prononce ce que doivent prononcer les langues et ce à quoi doivent croire les cœurs parmi les obligations et les religions. وهذا يفيدنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Et nous tirons de cela que la croyance chez les gens de la Sunna قول du groupe c'est une parole واعتقاد et une croyance وعمل et une œuvre. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تنطق بها. Tu dois la prononcer. تسمى الشهادة. C'est une attestation. On l'appelle l'attestation. الشهادة ما الإشهاد. L'attestation, ça vient de faire attester. C'est comme si tu dis, oh vous gens, attestez. Et oh mon Seigneur, témoigne que je témoigne que tu es Allah. Donc c'est obligatoire de prononcer cette formule, cette attestation. Et nous devons obligatoirement croire avec nos cœurs qu'il n'y a de divinité vraiment adorée, véritablement adorée, juste en dehors d'Allah. Et nous devons obligatoirement œuvrer avec nos membres et faire avec nos membres ce qui correspond à cette parole. Donc l'auteur ici, il énonce ce que nous devons obligatoirement prononcer avec croire avec nos cœurs et faire avec nos membres. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. نعم كمل. أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. نعم. هذا الكلام من الإمام عليه رحمة الله عز وجل يفيدنا في تحقيق معنى الأحدية. Ces paroles de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, ça nous montre comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Vous lisez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit c'est un Dieu unique. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas d'ami. Il n'a pas d'enfant. C'est-à-dire il n'a pas de compagne, il n'a pas de parents. C'est le seul créateur, il est seul. Et tout ce qui est en dehors de lui, c'est créature. Nous devons croire avec nos cœurs la véracité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi ? Dans trois choses. L'auteur ici, il les a détaillées. Il a énoncé beaucoup de choses. Qui reviennent tous à trois choses. أحدية الله في الخلق والرزق الربوبية. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création et dans la pourvoyance.
وهو la seigneurie. وهو أن تقر بأن الله واحد في جميع أفعاله. Et que c'est que tu dois croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul dans tous ses actes. الخلق dans la création. له وحده. C'est à lui tout seul la création. الرزق la portion. له وحده. C'est lui tout seul qui donne. الإحياء والإماتة. Le fait de donner la vie et la mort. له وحده. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. علم الغيب المطلق. La connaissance de l'invisible et de l'inconnaissable. له وحده. Ça vient à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا توحيد الربوبية. Ça c'est une unicité dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأحدية الثانية. La deuxième unicité. أحديته في تألهك أنت وتعبدك يا عبد الله. C'est l'unicité dans ton adoration toi au serviteur d'Allah. ألست تقر بأن الله هو الخالق وحده؟ Ne n'attestes-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul créateur, le seul créateur؟ الجواب بلى. La réponse est bien sûr. فإذا كنت تقر بأن الله هو الخالق وحده. Donc si tu attestes qu'Allah, tu attestes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. فلا تعبد غيره. N'adore donc pas quelqu'un d'autre en dehors de lui. كل العبادة له. Toute l'adoration doit être pour lui seul. الثالث ما أنواع الأحدية. La troisième sorte d'unicité. أحدية الأسماء والصفات. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. الله موجود. Allah est présent, il existe. الجواب. La réponse. موجود. Bien sûr, il est présent. موجود حقيقة. Il existe réellement. وكل موجود لابد له من صفات. Et tout être qui existe, il a obligatoirement des qualités. والله عز وجل له صفات. Et Allah subhanahu wa ta'ala a des qualités et attributs. لكن هل هي كصفاتنا؟ Mais est-ce qu'elles sont comme nos qualités à nous? الجواب. Attributs. La réponse. لا. Non. صفاتنا ناقصة. Nos qualités sont diminuées. نحن خلق. Nous sommes des créatures. نحيا ونموت. Nous vivons, nous mourons. قبل 100 سنة لم نكن شيئا مذكورا. Avant 100 années auparavant, nous n'étions rien du tout. وبعد 100 سنة لن نكن شيئا مذكورا. Et après 100 ans, nous serons rien du tout. يسبقنا العدم. Avant nous, il y avait rien, le néant. ويلحقنا العدم. Et après, nous devenons néant. وحياتنا قصيرة. Et notre vie est très courte. وسمعنا قصير. Et notre écoute est diminuée. وبصرنا قصير. Notre vision également. وقوتنا قصيرة. Notre puissance, notre force également. الله عز وجل. Allah سبحانه وتعالى. الحي القيوم. C'est le vivant, le subsistant. هو حي. Il est vivant. وأنا وأنت أحياء. Et moi et toi, nous sommes vivants. هل حياتنا كحياته؟ Est-ce que notre vie est comme sa vie؟ الجواب. La réponse. لا. Non. الله حي لا يموت. Allah est vivant et il ne meurt jamais. والجن والإنس يموتون. Et les djinns et les êtres humains meurent. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن البشر سميع بصير. Donc l'être humain il est audient, il voit, il écoute. والله تعالى. Et Allah سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو. Rien ne lui ressemble. السميع. Et il est l'audient. البصير. Le clairvoyant. الله سميع بصير. Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient, le clairvoyant. Et toi tu vois et tu entends aussi. Est-ce que ça c'est une ressemblance? Non. Mon ouïe n'est pas comme l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma vision n'est pas comme celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi j'écoute que ce qui m'entoure. Et je ne sais pas ce que disent les gens loin. Et je ne vois que ce qu'Allah m'a permis de voir. Certaines distances. Et je ne vois pas en dehors de cette distance. Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, بصره نافذ. Sa vision est parfaite. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. Il voit le pas de la fourmi noire sur la roche noire dans une nuit noire. لا تخفى عليه خافية. Il n'y a rien qui ne lui est caché à Allah subhanahu wa ta'ala. سمع الله. L'ouïe d'Allah. لا يعزب عنه شيء. Rien لا يغيب عنه شيء. Rien ne lui échappe à Allah. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Elle était assise avec le prophète صلى الله عليه وسلم. وحجرة النبي صغيرة. Et l'appartement du prophète صلى الله عليه وسلم était très petit. وكان النبي في طرف الحجرة هنا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était au bord de l'appartement. وعائشة هنا. Et عائشة à l'autre bord. تقول فدخلت المرأة المجادلة. Et عائشة رضي الله عنها raconte la femme est rentrée. فأخذت تهمس في أذن النبي. Et elle a commencé à prononcer à murmurer des paroles dans l'oreille du prophète صلى الله عليه وسلم. Elle parlait. تقول وأنا لا أسمعها. Et elle disait Aïcha, et moi je ne l'écoutais pas. فأنزل الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. Allah a certes écouté celle qui te parlait de son mari, qui te parlait des disputes avec son mari. فالمخلوق سمعه قاصر. Donc le créateur. وأما الله كل ما جاء في القرآن الكريم من أسماء وصفات فهو خاص بالله. Et la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala son ouïe est diminuée
et tout ce qui est venu comme qualité dans Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est des parfaites, des qualités. من جهة الكمال. C'est la perfection totale. أي أن لله المعنى الكامل. Allah subhanahu wa ta'ala a le sens parfait total. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المالكي له رسالة. Et l'imam Al-Amin al-Shinqiti al-Maliki, il a un épître. Il montre les preuves de cela. La créature, l'être humain, il peut être appelé avec des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. Et la femme du Aziz a dit. Du puissant. C'était une créature qui s'appelait le puissant. Wallahu al-Aziz. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, c'est. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une ressemblance entre ces deux, une similitude? La réponse, non. La puissance du créé, elle a une certaine. Et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est selon sa grandeur. Là, nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم جزاك الله خير. هذا الكلام سيباول من كلام الإمام علي رحمة الله عز وجل. أترجم الكلام عندي شيخ. نعم. Donc l'imam Ibn Mizzi al-Qayrawi l'a dit ensuite, on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, ni englober par la réflexion ceux qui le concernent. Ceux qui réfléchissent tirent leçon de ses signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Ils ne peuvent embrasser de sa science que ce qu'il veut. Son siège s'étend sur plus que les cieux et la terre dont la préservation n'est en rien pesante pour lui. Il est le suprême, l'immense, le savant, le très informé, le décideur, l'omnipotent, l'audient, le clairvoyant, le suprême, le très grand. Il est par son essence sur son trône glorieux et par sa science en tout lieu. Il a créé l'homme, c'est ce que son âme lui suggère et se trouve plus près de lui que sa veine jugulaire. Ces paroles également montrent ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le premier. Il n'y a rien avant lui. Et qu'Allah c'est le dernier. Il n'y a rien après lui. وأن البشر مهما حاولت et que l'être humain أن تفكر بعقلك quoi que tu essaies de réfléchir avec ton esprit حتى تتخيل صورة الله لن تستطيع l'être humain s'il essaye de réfléchir à la forme d'Allah subhanahu wa ta'ala il ne pourra pas. لماذا? Pourquoi? لأن الإنسان parce que l'être humain لن يستطيع أن يتخيل صورة الشيء ne peut pas se décrire dans sa tête l'image de quelque chose qu'avec deux choses. Soit qu'il ait vu cette chose ou qu'il voit quelque chose qui lui ressemble. Vous nous suivez? Tu ne peux pas décrire la forme d'une chose jusqu'à ce que tu le vois ou tu vois quelque chose qui lui est semblable. Et nous avons dans les créatures des signes. Le dromadaire. لو أنك ما رأيت الجمل بالمرة. Si tu n'avais jamais vu un dromadaire de ta vie. ولم ترى صورة. Et tu n'as jamais vu une image du dromadaire. ولم ترى له مثيل. Et que tu n'as rien vu qui ressemble au dromadaire de ta vie. وقلت لك صف لي الجمل. Et que je te dise décrive-moi le dromadaire. هل تصفه? Est-ce que tu pourrais? T'en serais capable? لن تستطيع أن تصف. Tu ne pourrais pas le faire. لأنك لم ترى. Parce que tu ne l'as pas vu. لكن لو أنك رأيت حيوان مثله. Mais si tu aurais vu un animal qui lui ressemble, et que je te dise qu'il a dans son dos une bosse, et que c'est un animal qui marche sur quatre pattes, là tu pourrais me décrire un petit peu sa forme. C'est possible, c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala est plus élevé que tout cela. Allah, est-ce que nous l'avons vu? لا. Non. هل لله مثيل? Est-ce qu'Allah سبحانه وتعالى semblable? لا. Non. إذن مهما حاولت أن تصل بذهنك إلى صورة لله عز وجل لن تستطيع. Donc quoi que tu essayes avec ton esprit de faire une image d'Allah سبحانه وتعالى, tu ne saurais. ماذا يبقى? Que ne reste-t-il? الإيمان. Il nous reste la croyance. تؤمن فقط. Tu dois croire seulement. ولا تفكر في الكيفية. Et tu ne dois pas penser à la forme.
لأن الشيء الذي يخفى عليك لن تستطيع أن تصل إلى كيفيته. Parce que la chose qui t'est cachée, tu ne peux pas trouver sa forme. أضرب مثال ضربه الله لنا. Je vous donne un exemple qu'Allah سبحانه وتعالى nous a donné. الروح. L'âme. الإنسان فيه روح. L'être humain, il a une âme en lui. إذا خرجت الروح ماذا يحصل؟ Lorsque l'âme elle sort, qu'est-ce qui se passe؟ الجواب. La réponse. يموت. Il meurt. أين هي الروح؟ Où est l'âme؟ أين كانت قبل أن أموت؟ Et elle était où avant que je meure cette âme؟ هل هي في قلبي فقط؟ Est-ce qu'elle est dans mon cœur? هل هي في عقلي؟ Est-ce qu'elle est dans mon esprit? هل هي معي كالظل؟ Est-ce qu'elle est avec moi comme l'ombre? الروح موجودة؟ L'âme est présente. كيف هي؟ Comment est-elle? أجيبوا. Répondez. ما تستطيع أن تصل. Tu ne peux pas trouver. لأنك لم تراها. Parce que tu ne l'as pas vu. ماذا قال الله تعالى؟ كالله. Qu'est-ce qu'a dit Allah؟ يسألونك عن الروح. Il t'interroge sur l'âme. قل هي من أمر ربي. Dit, ça se fait partie des choses qu'Allah sait et il ne m'a été donné de science que très peu. Donc ce qui est caché pour l'être humain, il ne peut pas trouver ça. Mais il doit seulement croire avec son cœur. Parmi les choses amusantes, un homme a commencé à parler sur la qualité, les qualités d'Allah. Un des savants lui a dit, « Ya Fulan, ne parle pas de cela. » Ou un tel, ne parle pas de cela. Tu ne peux pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais te donner un exemple. Dans Jibril alayhi salam. C'est une créature. Combien d'ailes a-t-il? 600 ailes. Moi, je vais te pardonner pour 597 ailes. Je ne vais pas t'interroger sur 597 ailes. Nous allons supposer que Jibril, il vole avec 3 ailes seulement. Nous ne connaissons pas un oiseau. Pour nous, l'oiseau, il vole avec seulement 2 ailes. Vous ne connaissez pas autre chose que cela. Donc, où va la troisième aile? Elle va où? Où est-elle? Si on suppose que Jibril a 3 ailes, la troisième aile, comment il va la bouger? Alors, comment va-t-il voler avec 600 ailes? Comment? Qui peut répondre? Qui peut nous donner la réponse? Quelqu'un a-t-il une réponse? Il n'y a pas de réponse. إذن, كيف لا نسأل عنها. Donc, le comment, on n'interroge jamais sur le comment. حتى في المخلوق لا نستطيع أن نعرف كيف. Même dans la créature, on ne peut pas savoir فكيف بالخالق عز le comment, alors comment avec. ولذلك, إمام أهل السنة, إمام مالك رحمه الله. Qu'en est-il du créateur? Et c'est pour cela que l'imam Malik, qu'Allah le fasse miséricorde, لما جاءه الرجل, lorsque l'homme lui est venu, لو قال يا إمام لأبا عبد الله أخبرني عن معنى الاستواء. Si seulement il avait dit, « Oh Abu Abdillah, informe-moi sur le sens de l'istiwa. » Est-ce qu'il aurait répondu? S'il aurait posé la question, quel est le sens de l'istiwa? C'est-à-dire le fait qu'Allah ait élevé son trône. Ça s'appelle une traduction ou un commentaire. Donc nous savons le sens de l'établissement d'Allah. Le tout miséricordieux sur le trône s'est établi. Nous connaissons le sens en langue arabe. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler avec un dialogue que nous ne connaissons pas. Mais nous connaissons pas la manière. L'homme qui est venu vers l'imam Malik, il n'a pas dit quel est le sens de stawa, de l'établissement. Mais il a dit comment Allah s'est établi. Tu demandes à Malik comment Allah s'est établi. Est-ce que Malik il a vu Allah? L'imam Malik il s'est mis en colère. Et il a eu peur. Et avec lui il avait un bâton. Et il a baissé sa tête. وأخذ ينكت به في الأرض. Il frappait la terre avec son bâton. سؤال خطير. C'est une question énorme ça. أنا مخلوق. Moi je suis une créature. تسألني كيف الله. Tu me demandes comment Allah est. يقول حتى علته الرحضاء حتى أصبح يعرق. Jusqu'à ce que l'imam Malik a eu des sueurs sur son front. قال. Et il a dit. الكيف. Le comment. غير معقول. N'est pas concevable. يعني لن أستطيع أن أصل بعقلي إلى الكيف. Donc je ne peux pas trouver le comment avec ma raison. والاستواء. Mais l'établissement d'Allah. في المعنى يعني. Dans le sens. غير مجهول. N'est pas méconnu. N'est pas inconnu.
كلام عربي ونحن عرب. C'est une parole arabe et nous sommes arabes. فغير مجهول نعرفه. Donc il n'est pas inconnu, il nous est pas inconnu. والإيمان به واجب. Nous savons. Mais la croyance en cela est obligatoire. والسؤال عنه بدعة. Et le fait d'interroger sur cela est une innovation. أي على الكيفية. C'est-à-dire sur le comment. اخرج. فطرده الإمام مالك. Et l'imam Malik il l'a viré de la mosquée. رحمه الله. نعم. الآن سيذكر المؤلف بعض أسماء الله عز وجل. Maintenant l'auteur va énoncer quelques noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons les passer jusqu'à ce qu'il y a après. Al-alim, al-khabir, al-mudabbir, al-qadir, al-sami', al-basir, al-ali, al-kabir. Wa annahu fawqa 'arshihi al-majid bi-dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi-'ilmihi. Khalaqa al-insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilayhi min habli al-warid. Il est le suprême, l'immense, le savant, le très informé, le décideur, l'omnipotent, l'audient, le clairvoyant, le suprême, le très grand. Il est, par son essence, sur son trône glorieux et par sa science, en tout lieu. Il a créé l'homme, sait ce que son âme lui suggère et se trouve plus près de lui que sa veine jugulaire. Ce que vient de lire le lecteur avec la nuance. Ça contient les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le savant. Allahu alim. Allah c'est le savant. Wa alim. Et il est très savant. As-sifa al-ilm. La qualité c'est la science. Kullu ismin lillah. Tout nom d'Allah. Fihi sifa. Il contient un attribut. Yastahil. Il est impossible. An yakun hunaka ismin lillah laysa fihi sifa. Il y a un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne contient pas de qualité ou d'attribut. Amma al-makhluq. Quant à la créature. La yushtarat. Ce n'est pas obligatoire pour cela. Qad yakun ismuka sa'id. Tu peux t'appeler Saïd. Wa anta hazin. Et tu es triste. Ismuka shuja'. Il se peut que tu t'appelles courageux, mais tu es un lâche. Il se peut que tu t'appelles Karim, généreux, mais que tu es avare. Mais Allah, là. Allah non. Tout nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il contient Al-alim. Qualité. Le savant. Quelle qualité? Al-sami'. La science. L'audient. Al-sami'. Al-basir. Al-basar. Al-qawi. La vue. Al-quwa. Al-hay. Al-haya. Al-ilah. الألوهية، الرب، الربوبية، واضح هذه. le Seigneur, la Seigneurie. إذن كل اسم لله فيه صفة. Tout nom d'Allah سبحانه وتعالى il contient une qualité. فهنا المؤلف ذكر العالم. Ici l'auteur a évoqué le savant. الخبير. le parfaitement connaisseur. المدبر القدير، المدبر للكون، القادر عليه. المدبر، celui qui gère l'univers, le royaume. السميع البصير، يسمع ويبصر. Le clairvoyant. العلي الكبير الأعلى. Le suprême, le très grand. الكبير لأنه الخالق عز وجل وما سواه مخلوق. Le grand parce qu'il est le créateur et tout ce qui est en dehors de lui s'est créé. وأنه فوق العرش. Et qu'il est au-dessus du trône. المجيد بذاته. C'est le trône glorieux. والله غني عن الخلق. Avec son science. Et Allah سبحانه وتعالى il n'a pas besoin de ses créatures. هذا الكون. هذا الكون الذي نحن نراه كبيرا. Tout cet univers que nous voyons énorme. السماوات السبع بمساحتها وكثافتها. Les sept cieux avec sa vastité. يغطيها مخلوق كبير. Il y a un très grand, une très grande créature qui les couvre. هذا المخلوق اسمه العرش. Cette créature s'appelle le trône. السماوات ليست شيء في خلق الله سبحانه وتعالى. Les cieux ne sont rien dans la créature d'Allah سبحانه وتعالى. فالله عز وجل. Allah سبحانه وتعالى. لما خلق الخلق. Lorsqu'il a créé la créature. وخلق العرش. Et qu'il a créé le trône. خص الله عز وجل العرش بالاستواء فوقه. Allah سبحانه. أي بالعلو فوقه. Allah سبحانه وتعالى il s'est mis au-dessus de son trône. وهو غني عنه. Alors qu'il n'en a pas besoin. ليس هو كما نجلس نحن على الكرسي وعلى الطاولة. Ce n'est pas comme nous asseyons sur la chaise ou sur le. الله غني عن كل شيء. Allah n'a pas besoin de tout ça. العرش خلق من خلق الله. Allah le trône c'est une créature parmi les créatures. والله موصوف بالعلو والعلي قبل أن يخلق العرش. Et Allah سبحانه وتعالى. C'est avant qu'il crée ce trône. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur ce trône. Par son essence. كيف? Comment? La ندري. Nous ne savons pas. آمنا وسلمنا. Nous avons cru et nous laissons cela. Allah في أكثر من موطن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش فنؤمن بأن الله استوى على العرش. Dans beaucoup d'endroits, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ceci qu'Allah s'est établi sur son trône. Le tout miséricordieux sur son trône s'est établi, donc nous croyons cela. ومع أن الله بذاته فوق عرشه. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec son essence sur son trône. يعلم بكل شيء. Il sait toute chose qui se passe dans son. وهو أقرب إليك من حبل الوريد بعلمه وإحاطته وقدرته. Il est plus près de toi que ta veine jugulaire avec sa science, avec sa capacité.
et avec son cernement. لما قال أبو بكر الصديق للنبي عليه السلام في الغار. Lorsque Abu Bakr Siddiq il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils étaient dans la grotte. أن كفار قريش سوف يأتون. Que les kuffars, les mécréants de Quraysh, ils vont venir, ils vont nous trouver. قال لا تخف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله. Allah. إن الله. معنا. Allah est avec nous, ne craint rien. مع أن الله فوق عرشه. Alors qu'Allah سبحانه وتعالى est sur son trône. لكن معنا بتأييده. Mais il est avec nous avec le fait qu'il nous aide. معنا بنصرته. Avec son secours. معنا بحفظه. Avec sa préservation. بدلالته بهدايته. Avec sa guidance. فلا تخاف. N'aie pas peur, ne crains rien. نعم. وعلى عرش استوى. على عرش استوى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. نعم. Donc l'auteur a dit, il n'est pas de feuille qui tombe dont il n'ait connaissance, ni de grêle à l'intérieur des ténèbres de la terre, ni de pousse, ni de végétal dur qui se soit consigné dans un livre explicite. Il est sur le trône et domine son royaume. Il possède les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes et ne cesse d'avoir tous ses attributs et ses noms. Sa glorieuse transcendance s'oppose à ce que ses attributs soient créés ou à ce que ses noms soient contingents. Il a parlé à Moïse par sa parole, Moïse Moussa, qui est un attribut de son essence, non une création parmi sa création. Il s'est manifesté à la montagne qui devint un amas de poussière du fait de sa majesté. نعم الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى les paroles qu'a énoncé l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde متصل بالكلام السابق ça suit ce qui a été évoqué auparavant متعلق بأسماء الله وصفاته ça concerne les noms d'Allah سبحانه وتعالى et ses qualités فذكر فيه الإيمان بأن الله استوى على العرش il a évoqué la croyance comme quoi Allah سبحانه وتعالى s'est établi sur son trône وأن لله أسماء حسنى et qu'Allah سبحانه وتعالى il a des noms parfaits أي كلها حسنة des bons noms et tous c'est-à-dire que tous ces noms sont وأن له صفات عالية sont excellents et qu'il a des grandes qualités أي منزه عن النقص qui ne concèdent aucune diminution qui ne contiennent aucune diminution وأن الله كلم موسى et qu'Allah سبحانه وتعالى a parlé à Moussa كلم موسى كلاما حقيقيا il a parlé réellement à Moïse Moussa كلاما يسمع بصوت une parole qui est écoutée avec un son ومن كلام الله القرآن الكريم et parmi les paroles d'Allah سبحانه وتعالى le noble Coran فالقرآن كلام الله le Coran c'est la parole d'Allah يقول الله تعالى Allah سبحانه وتعالى dit وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله et Allah سبحانه وتعالى dit dans le Coran et si quelqu'un parmi les polythéistes te demande هل هو مخلوق donne lui un salaire pour qu'il écoute la parole d'Allah سبحانه وتعالى هل هو مخلوق est-ce que c'est une créature non هو صفة لله c'est une qualité d'Allah كلام الله c'est la parole موصوف به Allah c'est une qualité d'Allah سبحانه وتعالى قال الله تعالى Allah سبحانه وتعالى dit ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه lorsque Moussa est venu à notre lieu notre point fixé et que son Seigneur lui a parlé وقال وكلم الله موسى تكليما et il a dit et Allah سبحانه وتعالى a réellement parlé à Moussa فالله متكلم Allah donc il parle نعم شوف الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجر على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم نعم
Donc l'auteur a dit ensuite, il y a aussi la foi en la prédestination du bien et du mal, de ce qui est agréable comme de ce qui est contrariant. Tout cela a été prédestiné par Dieu, notre Seigneur. La disposition des choses est entre ses mains et leur survenance tient de sa décision. Il a su toute chose avant son existence, laquelle se produit selon cette connaissance. Aucune parole ni aucune action n'émanant de ses créatures sans qu'il ne les ait décidées et que sa connaissance ne les ait précédées. Ne sait-il pas en effet ce qu'il a créé alors qu'il est le subtil et le très informé? Il égare qui il veut et l'abandonne ainsi par son équité. Dirige qui il veut et l'inspire ainsi vers sa réussite, vers la réussite, par sa faveur et son bienfait. Chacun est donc porté par son aplanissement vers ce qui a été prédéterminé en sa science et sa prédestination. Soit la félicité, soit la damnation. Sa glorieuse transcendance s'oppose à ce qu'il y ait dans son royaume et ce qu'il ne veut pas ou que quiconque soit et ce qu'il ne veut pas ou que quiconque et ce qu'il ne veut pas ou que quiconque soit indépendant de lui ou créé quoi que ce soit, lui seul a créé, qui est le Seigneur des hommes et de leurs actes, qui prédétermine leurs mouvements et leurs termes. Tout ce qui a précédé parmi les paroles de cet auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, ça correspond ou ça concerne un pilier parmi les piliers de l'islam. Ma hiya arkan al-iman as-sitta? Quels sont les six piliers de la foi? Man yujib ma al-akhwa? Qui peut répondre parmi les frères? Al-iman billahi, la croyance en Allah, malaikatihi, ses anges, wa kutubihi, ses livres, wa bi rusulihi, ses messagers, wa bi yawmil akhir, le jour dernier, al-qadri khayrihi wa sharrihi, et le destin bon ou le bien. Kull ma tarahu fil kawn, tout ce que tu vois من خير ومن شر. Dans cet univers, par combien ou mal? هل هو حصل بتقدير من الله أم هو رغما عن الله? Est-ce que c'est arrivé par la prédestination d'Allah ou c'est imposé à Allah? الجواب. Répondez. كل بقدر من الله. Tout vient avec la permission d'Allah. الخلق كل ملك الله. Toute la création c'est une royauté d'Allah. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما. Allah appartient les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux. Est-ce qu'il peut arriver dans l'univers d'Allah ce qui ne lui plaît pas, ce qu'il ne veut pas? Impossible. Tout ce que tu vois comme bien ou mal, parmi la maladie ou la bonne santé, parmi guidance ou égarement, c'est avec destin ou c'est pas avec destin? هداية أبي بكر الصديق. La guidance d'Abu Bakr c'est un destin ou pas? وضلال أبي جهل. Et l'égarement d'Abu Jahl. قدر. C'est une destinée d'Allah. فالله عز وجل لا يحصل شيء في الكون إلا بقدر من الله. Rien n'arrive dans cet univers qu'avec la permission d'Allah سبحانه وتعالى. ولكن هل الله عز وجل. Mais est-ce que Allah سبحانه وتعالى. ظلم أبا جهل. A été injuste envers Abu Jahl. أبدا. Du prophète. الرسول واحد. Le prophète. خاطب أبو بكر. فأسلم وخاطب أبا جهل فكفر. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم seul, il a parlé à Abu Bakr صلى الله عليه وسلم, il a accepté l'islam, il a parlé à Abu Jahl, il a refusé. الذي وقع في الكفر. Celui qui est tombé dans les créances. هل هناك قوة تأخذه من الخلف حتى تضعه على الكفر؟ Est-ce qu'il y a une puissance plus forte que lui qui le prend par derrière et qui le met dans la mécréance? الجواب. Répondez. الذي هدي للإسلام. Celui qui est guidé vers l'islam. هل هناك قوة تسوقه إلى الإسلام؟ Est-ce qu'il y a une puissance force plus forte que lui qui le guide vers l'islam? هداية قلوب. C'est la guidance des cœurs. فمن يريد الله تعالى أن يهديه. Celui qu'Allah veut guider. يشرح صدره للإسلام. Il ouvre sa poitrine à l'islam. ومن يريد أن يضله. Et celui qu'Allah veut égarer. لا تملك له من الله شيء يضل. Tu ne peux rien pour lui, il sera égaré. ولذلك سلمان الفارسي أين يسكن؟ C'est pour ça que Salman al-Farisi il habite où Salman al-Farisi? بعيد عن مكة. Très loin de Mecca. وأبو جهل أين هو؟ Et Abu Jahl il habite où? في مكة. À Mecca. هذا يكفر بالله. Celui-ci mécroit en Allah سبحانه وتعالى. وذاك يأتي من أقصى الدنيا حتى يقول لا إله إلا الله. Celui-là vient de la plus lointaine des contrées et il croit en Allah سبحانه وتعالى. حكمة الله. C'est la sagesse d'Allah سبحانه وتعالى. أنتم الآن. Vous maintenant. مكانكم غير مكان النبي. Votre lieu ce n'est pas le lieu du prophète صلى الله عليه وسلم. وزمانكم. Et votre époque. غير زمان النبي. Ce n'est pas l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. آمنتم به. Vous avez cru en lui. نعمة. C'est un grand bienfait. Abu Jahl et Abu Lahab, kuffar Quraysh. Abu Jahl et Abu Lahab et tous les mécréants de Quraysh. مكانهم مكان النبي. Leur lieu c'est le lieu du prophète صلى الله عليه وسلم. وزمانهم. Et leur époque.
زمان النبي. L'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مكانهم مكانه وزمانهم زمانه وكفروا به. Malgré tout cela, ils ont mécru en lui. وأنتم زمانكم غير زمانه ومكانكم غير مكانه وأمنتم به. Et vous avec votre situation d'époque et de lieu, vous avez cru en lui. حكمة الله. C'est la sagesse d'Allah. لأن الله لما خلق آدم. Parce que Allah lorsqu'il a créé Adam عليه السلام. مسح على ظهره. Il a essuyé sur son dos avec sa main. وأخرج فريقا من ذريته. Et il a sorti une portion de sa descendance. وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. Il a dit, et ceux-là, ils iront au paradis. ثم مسح مسحة أخرى. Il a essuyé une autre fois avec sa main. وأخرج فريقا من ذريته. Il a sorti un groupe parmi sa descendance. وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. Il a dit, et ceux-là iront en enfer et je ne me soucierai pas d'eux. أسألكم سؤال. Je vous pose une question. هل سبق في علم الله عز وجل الآن هل الله عز وجل الآن يعلم من هم أهل الجنة منا ومن أهل النار؟ Est-ce que Allah سبحانه وتعالى maintenant à cette époque-ci il connaît؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. Il connaît qui fera partie. وأن يعيدنا وإياكم من أهل النار وسبيلهم. Et chéri demande que nous fassions partie des gens du paradis et que nous soyons préservés d'être des gens. فالأمر انتهى. C'est destiné, Allah il le sait. يعلم الله أهل الجنة ويعلم أهل النار. Allah il sait les gens du paradis et il connaît les gens de l'enfer. قال الصحابة رضي الله عنهم. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager de Dieu. إذا كان الله يعلم أهل الجنة. Si Allah sait qui sont les gens du paradis. ويعلم أهل النار. Et connaît les gens de l'enfer. لماذا نعمل؟ Pourquoi œuvrons-nous donc؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit. اعملوا. œuvrez. كل ميسر لما خلق له. Chacun d'entre vous œuvrera ce qu'Allah سبحانه وتعالى le voit vers ce quoi Allah سبحانه وتعالى lui a facilité. هناك من الناس من يسهل الله له الطاعة. Il y a des gens à qui Allah سبحانه وتعالى facilite la bonne action. يفرح. Il est heureux. هذا من تيسير الله. Ça vient de la facilité d'Allah سبحانه. وهناك من الناس من تكون الطاعة عليه صعبة شديدة. Et il y a des gens pour qui c'est très difficile de vivre. فهذا ما يسر الله له الهدى. Celui-ci, Allah سبحانه وتعالى lui a pas facilité la guidance. فإذا donc كل شيء بقدر الله. Tout est en fonction de du destin d'Allah سبحانه وتعالى. طيب نعم. ثم ختم الرسالة والنضارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Il a envoyé pour eux les messagers pour que l'argument soit irréfutable contre eux. Il a scellé le message, l'avertissement et la prophétie par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en a fait ainsi le dernier des messagers, annonciateur de la bonne nouvelle pour les croyants, avertisseur du châtiment pour les négateurs, prédicateur de la foi en Allah avec sa permission et flambeau lumineux. Nous avons vu que la croyance en Allah. Nous avons vu la وكتبه تقدم الكلام عن كلام الله. Nous avons vu la croyance selon sur les livres d'Allah. وتقدم أيضا عن قدره لأن القدر صفة من صفات الله. Nous avons vu aussi les paroles concernant le destin d'Allah. والآن نتكلم عن الرسل. Et maintenant nous allons parler des messagers. فنبينا عليه السلام. Notre prophète صلى الله عليه وسلم. خاتم المرسلين. C'est le dernier des prophètes. يعني ليس بعده رسول. Il n'y a pas de prophète après. ولكن رسول الله هو خاتم النبي. Mais c'est le messager de Dieu et le sceau des prophètes comme Allah a dit. جعله الله آخر المرسلين. Allah a fait que ce soit le dernier des messagers. وهو أفضلهم. Et le meilleur d'entre eux. وأعطاه الله المقام المحمود. Et Allah lui a donné le bon endroit dans l'au-delà. وخصه الله عز وجل بما خصه من الشفاعات كما سيأتي. Et Allah سبحانه وتعالى lui a donné des intercessions dans l'au-delà. بشيرا ونذيرا. C'est un avertisseur, un annonceur et un avertisseur. الإسلام يقوم على البشارة والنذارة. L'islam est basé sur l'annonciation et l'avertissement. ليس فقط تخويف. Il n'y a pas seulement le fait que de faire peur aux gens. لا. Non. خوف. Fais peur. وبشر. Et annonce la bonne nouvelle. الله رحيم. Allah il est miséricordieux. وشديد العقاب. Et il est dur en punition. فيبشر الناس بالجنة. Il annonce la bonne nouvelle du paradis aux gens. ويحذرهم من النار. Et il les met en garde contre l'enfer. يبشرهم بالصدق. Il leur fait la bonne annonce. وينذرهم من الكذب. De la vérité et il les met en garde contre le mensonge. يبشرهم بالأمانة. Il leur annonce la bonne nouvelle du dépôt du. ويحذرهم من الغش. Il leur met en garde contre le fait de trahir le dépôt. وهكذا بقية الأمور. Et dans toute chose c'est ainsi. فأنت في بيتك. Donc toi tu es lorsque chez toi. والخطيب على منبره. Et celui qui fait le khutbah. والمعلم في درسه. Sa chair. Et celui qui enseigne dans son cours. اجمعوا بين هاتين الأمر بين هذين الأمرين. Réunissez entre ces deux choses. البشارة والنذار. Le fait d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre en garde. البشارة تزيد الرجاء. Le fait d'annoncer la bonne nouvelle, ça rajoute dans l'espoir. والنذارة تزيد الخوف. Et le fait de mettre en garde, ça ajoute la peur. يقول بعض العلماء. Certains savants disent. أن الخوف والرجاء. Que la crainte et l'espoir. كجناحي طائر.
c'est comme les deux ailes d'un oiseau. قلبك هذا كأنه طير وله جناحان. Ton cœur, c'est comme un oiseau qui a deux ailes. Et il y a deux الخوف ailes. والرجاء. Et les deux ailes sont la crainte et l'espoir. فلا يتحرك هذا القلب إلا بالخوف والرجاء. Ce cœur ne bouge qu'avec la crainte et l'espoir. لا تكن خائفا دائما. Ne sois pas toujours en état de peur, de crainte. فتكره الدين. Et tu vas être dégoûté de la religion. وربما تكره الله عز وجل. Peut-être revenir à. وتكره رحمة الله. Détester Allah. وتيأس من رحمة الله. Tu vas désespérer d'Allah سبحانه وتعالى de sa miséricorde. اعلم بأن الله غفور رحيم. Non, mais il faut que tu saches qu'Allah est miséricordieux. وإن الله يغفر الذنوب جميعا. Et qu'il pardonne tous les péchés. وأن الله يفرح بتوبتك. Et qu'Allah est satisfait, il est heureux lorsque tu. وأن الله يبدل السيئات حسنات. Et qu'Allah transforme les mauvaises actions en bonnes actions. فاطمئن. Alors sois tranquille. هذا معنى الإشارة. Ça c'est le sens de l'annonciation. ولا تقول أنا مسلم. Il ne dit pas je suis soumis. إذا لا علي. Donc il n'y a pas de mal. يفعل معاصي. يقع في الذنوب. Fait des péchés. نقول احذر. Nous disons fais attention. Allah شديد العقاب. Allah est dur en châtiment. لابد أن تغذي الخوف في قلبك. Tu dois certainement mettre la crainte dans ton cœur. الله عذب امرأة في هرة. Allah il a châtié et puni une femme pour une chatte. النبي مر على قبر يعذب صاحبه وما يعذبان في كثير أو في كبير. Le prophète est passé sur un tombeau et dont l'occupant, les deux occupants étaient châtiés pour très peu. أحدهما لا يتنزه من بوله. L'un d'entre eux ne faisait pas attention lorsqu'il faisait son. والآخر يمشي بالنميمة. Et l'autre il faisait de la calomnie entre les gens. فلا بد من الخوف والرجاء. Nous devons donc craindre et avoir espoir en Allah.